Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 6 septembre et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en réunion 1, course 4. C'est le prix Jean Bar, c'est un handicap, première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3600 mètres à parcourir, on sera sur les haies et ils seront 16 au départ donc, de ce quintet qui s'annonce intéressant avec des chevaux que l'on connaît bien hein, ici en perspective. Un bon lot donc de rentrée sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, Chichi de la Vega, le pensionnaire de Robert Collet et la montre de Ludovic Philippron. Le cheval qui reste, qui va faire son retour hein, ici, mais comme pas mal de concurrents ici au départ. Donc pour l'arrière-saison à Auteuil, il avait montré au printemps qu'il était vraiment sur la bonne voie dans cette configuration et donc dans les handicaps. Il reste sur de bonnes sorties. Hein. On se souvient qu'il avait été malheureux, il avait chuté au premier obstacle en juin donc sur cette piste et il avait fait une très belle ligne droite dernièrement donc dans sa dernière course, le prix de Chantilly. Il revient donc ici, il aura de la fraîcheur et si ça se passe bien, je pense qu'il peut largement lutter pour la victoire, lui qui est très bien placé en 57 de valeur. En deuxième position, j'ai mis le 10 d'Enter des Obos, pensionnaire de Nicolas de Wilder, la montre d'Olivier Jouin, le cheval qui fait son retour sur les balais. Attention, hein, c'est peut-être sa spécialité de prédilection. C'est vrai que dernièrement, dans le grand steeple de Clairefontaine-Deauville, le cheval s'est un peu montré décevant. On va le racheter ici, il vaut quand même bien mieux que cela. Donc à noter qu'il est en 57 de valeur hein, dans les handicaps en haie, c'est-à-dire qu'il revient avec 2 kilos de moins par rapport à sa dernière sortie dans les handicaps dans cette catégorie. Donc autant dire... et sachant qu'il s'est pas mal placé l'année dernière en 59 de valeur et que ici on le retrouve en 57, je me dis que ça peut être un beau coup et même pourquoi pas la gagne. En troisième position, j'ai mis le 4 au pied du matin, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la montre de Gaëtan Mazur, le cheval qui vient de. Enfin, en tout cas, sa dernière course date de fin juin sur l'hipporome de Dieppe, troisième de la grande course 2 et 1 de Dieppe, on l'a pas revu depuis. On se souvient qu'au printemps, il avait fait un carton hein, dans les. Enfin, elle avait fait un carton, puisque c'est une jument, dans les gros handicaps, puisqu'elle avait remporté deux handicaps d'affilée. Sa valeur qui avait été revue nettement à la hausse. Et ici, elle est prise en 60 de valeur. Ce qui me semble en tout cas intéressant. Bon, c'est une écurie, évidemment. Toujours redoutable et redouté et à surveiller. Donc dès lors, je la mets très haut dans mes tickets. En quatrième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Golden Watch, le pensionnaire de Sonia Delaroche, l'amant de Théo Chevillard. C'est une jument de 5 ans hein, qui, elle aussi, n'a pas été revue depuis sa quatrième place dans la grande course de Haie d'Auteuil qui date de fin avril. Donc c'est vrai que là, elle fait son retour après presque 4 mois d'absence. Elle est perfectible, elle est quand même régulière dans cette catégorie. Maintenant, c'est vrai qu'elle aurait peut-être préféré une piste un petit peu plus assouplie, mais bon, elle n'est pas la seule hein, dans ce cas-là. Maintenant, je pense qu'elle a quand même du travail derrière elle. Elle est régulière, elle fait tout ce qu'on lui demande, et je ne la vois pas forcément gagner, mais elle peut, pourquoi pas, lutter pour une place. En cinquième position, j'ai mis le 16, Happy Denuo, pensionnaire de Guy Denuo, la monte de Stéphane Paillard. C'est une jument de 5 ans qui va débuter dans les handicaps à Auteuil sur les haies. Donc, elle est prise en 55 de valeur. Sur le steeple, c'est vrai que, qui est sa discipline hein, de prédilection, elle a montré beaucoup de choses, je trouve. Elle a des lignes et à chaque fois qu'elle a couru à Auteuil, sur les gros, en 5 courses, elle a toujours fait l'arrivée. Je me dis qu'ici, elle débute en bas de tableau, c'est la bottom weight, en 55 de valeur, elle a montré déjà de la qualité, je pense que courir sur les haies d'Auteuil ne la dérangera pas, et je pense que, j'adore cette écurie en plus, l'écurie Guy Denuo, et je me dis qu'en bas de tableau, ça peut être, pourquoi pas, un très bel outsider, et je pense que la cote sera sympa.
En sixième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Lyon-Clermont, le pensionnaire de Bernard Criqui, qui en est son entraîneur propriétaire. C'est la monte de Clément Lefebvre, le cheval qui lui aussi va faire son retour en compétition, puisqu'on ne l'a pas revu depuis sa sixième place le 20 mars dernier. C'était dans le prix prédicateur remporté par Folyfoot et Golden Watch, hein, qui terminait deuxième. Alors c'est un peu même profil, hein. Si le cheval a du travail derrière lui, il peut tout à fait se placer. C'est un cheval qui répond toujours présent, qui fait tout ce qu'on lui demande. Voilà, maintenant ici, effectivement, il y a toujours cette question de la semi-rentrée. Je pense qu'on l'a réservé aussi pour l'arrière-saison et les pistes un peu plus assouplies, ce qui ne sera pas forcément le cas ici en ce mardi. Mais bon, je me laisse tenter parce qu'il répond toujours présent. Associé à Clément Lefebvre, pardon, il peut accrocher une petite place. En septième position, j'ai mis le 9, hein, il s'agit de Six One, hein, pensionnaire de François-Nicole, la montre d'Angelo Zuliani. C'est toujours redoutable, hein, de mettre ce tandem. Ici, le cheval qui vient de faire sa grande rentrée, hein, c'était au tout début du mois d'août, sur les forums de Clairefontaine, dans une course à conditions, où il s'est bien imposé. Il fait son retour dans les handicaps en 57,5 de valeur. Il était abaissé d'une livre. On se souvient qu'il a été malheureux, hein, l'année dernière dans les quintés, notamment donc à l'automne, hormis une deuxième place il y a quasiment un an, jour pour jour, hein, dans le prix Gilles et Alain de Goulaine. Le cheval ensuite a connu, donc, voilà, des malheurs. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux l'année dernière, en tout cas, moi, il aura son mot à dire quand même. Après, c'est la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. C'est pour cette raison que moi, je l'ai mis un peu plus loin dans mon prono. Maintenant, c'est vrai que la maison est très sérieuse et on peut l'inclure quand même. Et on doit la même, je pense, l'inclure dans une sélection. Pour moi, ça sera plutôt pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai mis l'As, Folyfoot, pensionnaire de Pascal Adat et de François Renault, la monte de James Reveley. C'est le top weight, hein, de cette course. Il doit porter 72 kilos. C'est vrai que c'est la meilleure valeur, hein, 63 de valeur. Le cheval qui vient de faire sa rentrée du côté du Lion d'Angers dans une course au galop où il terminait bon troisième. On se souvient qu'il avait été troisième, hein, de la grande course de haie de printemps, qu'il avait gagné en début d'année deux handicaps d'affilée. Sa valeur qui avait passé donc de 56 à 63. Aura quand même qui confirme maintenant. Il aura quand même un avantage, c'est que les pistes sont pas trop lourdes à cette époque et ça peut être et c'est vraiment fait pour lui. Voilà, maintenant il doit quand même gérer ses 72 kilos. Sa course de rentrée était bonne. Donc là, peut-être en vue de cette course, je le vois pas forcément gagner, mais il peut prendre quand même une place. Quant à mon regret, ça sera le 7. Il s'agit de Foreign Flower, pensionnaire de Robert Collet, l'amant de Kevin Nabé. Le cheval qui vient de faire sa rentrée, mais il a été arrêté sur les forums de Clairefontaine, c'était le 28 juillet dernier, après presque 7 mois d'absence. Le cheval, il peut encore manquer de compétition, et j'aurais préféré une piste beaucoup plus assouplie. Maintenant, c'est un bon cheval qui revient à une valeur de plus en plus intéressante. Il faut savoir que le cheval est en 58,5 de valeur, c'est-à-dire il a encore perdu 1 kilo par rapport donc à sa course de rentrée. Pour l'instant, j'ai encore besoin qu'il ait un ou deux parcours et on reprendra un peu plus tard dans l'arrière-saison pour les derniers quintés avec des pistes, j'espère, plus pénibles qui va l'apprécier. Mais pour l'instant, mettez-le quand même dans un champ réduit parce que Kevin Dabé, s'il le monte, c'est pas pour rien. Mais pour l'instant, j'ai encore besoin qu'il me rassure. Je répète mon pronostic en chiffres, le 11, le 10, le 4. Le 5, le 16, le 3, le 9, hélas, avec le 7 en regret, mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Dentor des Ovaux. J'adore ce cheval et il revient avec une situation pondérale de plus en plus intéressante et ça peut être pourquoi pas son jour en ce mardi. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas prendre de risque, on va faire le couplet placé de la sélection, en espérant que ça se passe bien ici. Ça a été d'obstacles, hein, donc des quintés difficiles, donc soyez quand même prudents sur vos mises. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour, en attendant celui de ce lundi sur l'hipporhome de Cran avec Gently de Muse pour ce mardi. Donc 6 septembre, et bah écoutez, je pars à Vincennes. Ça sera en réunion 4.
Ça sera dans la troisième, le prix Adara. C'est une course pour des chevaux âgés de 4 ans, pardon. Une course D. 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils seront 16 au départ. Des chevaux qui n'ont pas gagné 41 000 euros, donc des chevaux encore perfectibles. Mais une course intéressante, ouverte, hein, assez ouverte. Et dans cette course, il y a un cheval qui nous avait fait plaisir la dernière fois. C'est le 314 Yergon, pensionnaire de Romain Larue. La drive de Mathieu Mottier. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il a été excellent deuxième dernièrement d'un bon cheval de la famille Abrivard, Iguane de Caponnet, qui vient de courir récemment à Vincennes et s'est classé quatrième d'un lot qui était quand même assez correct. Donc je pense que la ligne est bonne et la dernière fois, il a été très bon pour garder nettement la deuxième place. C'est un cheval qui peut aller aux avant-postes. Ce sera une première sur la grande piste et ce sera même une première tout court sur les programmes de Vincennes. Donc à son pilote de bien gérer tout cela. Si ça se passe bien, je pense que le cheval peut lutter pour la victoire. Attention quand même parce qu'il est parfois assez compliqué à driver. On va quand même être prudent. Mais je fais confiance à son pilote, donc le 314 Yermont, en réunion 4 course 3 sur les forums de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous eh bien ce mardi pour l'étude du Quintet de mercredi. Ça sera le GNT, normalement sur les forums de Mélie du Maine. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.